Bonjour à tous les amis, c'est Tanausu, mardi matin, en direct sur Tanausu Gaming. On se retrouve pour reprendre les aventures du tueur de zombies, le grand, le vaillant Aiden, pour la suite de ce let's play découverte de Dying Light 2, Stay Human. Je pense qu'on est en train de bien grappiller là sur la première zone de la map. On l'a remué de fond en comble, il y a de nouvelles petites choses qui vont nous rester à faire, mais franchement on est bien en train d'y taper dedans là, comme on dirait vulgairement. Donc voilà, donc on va essayer vraiment, je vais essayer vraiment de progresser sur la quête principale aujourd'hui. On va voir si Jean-Marc me rejoint éventuellement un petit peu plus tard. Pour l'instant il n'est pas là, mais voilà, c'est pas grave. Je vais directement, sans transition, me lancer dans le vif du sujet, parce que ah ouais, voilà, c'est vrai, on en était là hier. On avait fait cette quête qui était bien marrante, où le mec voulait sauver ses parents, hein. Et ses parents sont des zombies en fait. Donc voilà quoi. C'est les joies de l'univers post-apocalyptique. Vous les voyez ici en train de se délecter de leur magnifique repas. Mais bref, alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Je vais regarder la map vite fait. C'est la nuit là en plus de ça, donc il va falloir faire attention, ça va être dangereux dehors. Alors où on est? On a plusieurs points d'interrogation qui sont apparus. On a cette zone ici que je vais faire, mais je vais attendre Jean-Marc pour la faire, parce qu'elle risque d'être dangereuse. Et on a plusieurs points d'interrogation sur la map, hein, en effet. Donc eh bien, écoute, on va se mettre en route, on va aller regarder ça. Alors par contre je suis pas sûr, je sais pas si je l'ai fait la nuit ou pas. On va voir. On va voir. Bon, c'est pas grave. On va prendre notre courage à deux mains, on va faire ça la nuit. Et voilà, allez, vas-y, le prochain emplacement, ça va être celui-ci. Je vais me mettre en route maintenant tout de suite. Je vais juste baisser un peu le volume, parce que là, c'est vraiment trop fort dans mes oreilles. Ok, c'est mieux. Alors, c'est par là-bas. Vas-y, c'est parti. Ah, c'était vraiment trop fort le volume là. Attends, il va falloir que je baisse un petit peu. Je le ferai quand je serai dans de meilleures dispositions. C'est qui parle là? Il y a des brigands là-haut, c'est ça? Oh putain. C'est pas un rapace ça quand même. Oh putain, je crois bien que c'est un rapace les gars. Bon allez, vas-y, je me casse. Je sais pas si j'arrive à sauter ici. Bon, on va essayer. Pas du tout à l'abri ici, hein. Je pensais qu'il y avait une zone d'UV, mais en fait c'est pas le cas du tout. Et par contre il n'y a pas de zombies hostiles. Non mais moi mec, je connais personne moi. Alors attends, qui c'est qui demande à l'aide là? Moi j'aide pas les gens qui sont imprudents et qui vont dans la rue tout seuls la nuit comme ça. Alors, c'est quoi ça? Putain, il m'a fait peur ce imbécile de Jean-Marc. Oh là là là. Ça va Jean-Marc, la forme? Attends, je vais t'inviter au groupe, comme ça on t'entendra dans le stream. Ouais, c'est ça. Hop. C'est vraiment bizarre qu'on puisse comme ça apparaître, tu sais, enfin en fait que j'ai pas à t'inviter quoi. Ouais, il y avait un rapace tout à l'heure là-bas. Du coup, je me suis barré. J'ai pas voulu me faire poutrer la tronche par le rapace. Du coup, j'ai mis un point là pour le moment, Jean-Marc. C'est juste ici. C'est juste en dessous. Je crois qu'il doit y avoir un magasin ou quoi. On n'a qu'à y aller et après on pourra se remettre un petit peu sur les objectifs qu'on s'était fixés hier. Alors ici, il y a un hurleur. Ici, il y en a un autre. Ah, génial quoi. Attends, bouge pas. Ouais, vas-y. Ah, il y en a un autre là-bas. Ouais, bien vu, bien vu. Il y en a un autre là-bas au fond, mais je pense pas qu'il va nous voir si on est rapide et qu'on arrive à rentrer. Donc, hop. Et voilà. C'est en dessous, là. Ouais, je suis rentré, moi, ça y est. Hop là, qui c'est qui m'a vu, là? Comment ça, quelqu'un m'a vu? Hop là, attention. Ça va sauter, attention, ça va sauter. Parfait. Ouais, donc du coup, ça va, Jean-Marc, la forme depuis hier soir. Ouais. Impeccable. On n'a pas eu le temps de... Ouais. Ouais, voilà. Et ben écoute, ouais, moi aussi, ça va, j'ai passé une nuit, ça va, une bonne nuit de sommeil. Et là, bah, c'est reparti. C'est reparti pour taille. Ouais, pareil ici. Ça y est, c'est revenu ici aussi, ouais. Donc, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ça n'a pas été terrible, nous non plus, là, ces derniers jours. En plus, il faisait froid aussi, je trouvais. Ouais, la température ce matin, 4. Ah ouais, bon, c'est frais, c'est frais. Ouais, quand même. Ouais, c'est frais. Mais s'il fait frais et qu'il fait beau, ça passe mieux. Que s'il fait frais et que... Ouais, voilà, ouais. Alors... sac à dos ici. Il va falloir que je me débarrasse de cette arme parce que sinon elle va me claquer entre les doigts. Je vais faire ça tout de suite, maintenant. Ouais, on essaie de la vendre avant. Pff, ouais, tu sais quoi, je crois que je vais même m'en débarrasser. De toute façon... Ouais. C'est dommage, j'ai des améliorations dessus. Est-ce que je peux... Non, tu peux pas les défaire. Par contre, je peux en appliquer. Oui, tu peux en appliquer une autre pour la rallonger. On va essayer de faire comme ça. Et maintenant... Waouh, elle est bien. Je l'ai quasiment toute... je l'ai quasiment entièrement... comment on dit régénérée. Alors, Lolo, t'as trouvé une mouche? Ah, yeah. Ils mordent debout les zombies, tu sais. Je me suis fait une empilée. Ah ouais, vas-y. Mais que tu peux laisser tout le temps allumé? Ouais. Sans blague. Ah, ça c'est cool ça. Pas tout le temps, t'as 14 secondes. D'accord, ok. Je l'ai amélioré. Hop, mais pendant 14 secondes, ils avancent pas. Ouais. Mais tu peux... Et est-ce que toi, ça te régénère? Moi, il me reste une minute là par exemple, donc si. Mais non. Tu l'as là? T'as une lampe UV toi? Je la vois pas. Ouais. Ah, je la vois pas, c'est bizarre. Ok. Attends, je me reprends du champignon un peu. Donc, Angel, Monster m'a dit. Et pour les rapaces, tu leur fous des coups de flash comme ça et tu... D'accord. Pendant le temps de... Je vois. Ça permet de les immobiliser quoi en fait. Ouais, ils avancent pas. Et tu peux les... Voilà. Ok. Donc il suffit, dans un groupe, il suffit qu'il y en ait deux qui s'éclairent plus vite. Ouais. Et comme ça le troisième il les tabasse. Ouais, d'accord. Ouais, intéressant. Bon là. Hop. On va crocheter ça. On va faire du crochet. Évidemment, je vais le casser. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça, là. Quand tu trouves pas le point, tu sais. Mmh. Ok. Là, je suis en... Voilà. En énergie, je suis à niveau 9. T'es en niveau 9 en énergie? Ah, c'est pas mal. Je sais, moi, je suis plus à combien je suis à 6 ou 7 6, je crois. Mmh. Hop, je remets un petit peu de ça. Si on peut pas y rentrer bah, à l'hôtel, c'est cool. Ouais, carrément. Mais là, c'est 7h du mat, donc ça va être compliqué. Ouais. Mais on peut faire ça la nuit prochaine, si on se prépare bien, si on anticipe et tout. Ok, bon, moi, je suis prêt, Jean-Marc. Par contre, il faut que je prenne impérativement une sheet, là, parce que sinon, ça va... Ouais, voilà, sinon ça va être compliqué. Alors attends, je vais regarder un peu la carte pour voir où est-ce qu'on peut aller. Le jour va bientôt se lever. Écoute, j'ai un autre point d'interrogation ici. On va aller se faire les points d'interrogation qui est à proximité là. Mmh. J'en ai mis un ici. Hop, allez, c'est parti. Hello les zombies. Ok, alors c'est là-bas. C'est là en dessous, c'est un métro. Ah ouais, on va pas voir grand-chose alors je pense. Je suis jamais allé encore dans un truc de métro. Il dit ça, activité nocturne. Ah, trop tard. Ouais, trop tard. Bon. Mais du coup, alors attends, parce que tous les métros que j'ai débloqués sur la map, là, j'en ai jamais fait un seul. Et celui-là, je crois qu'il faut le critiquer pour le débloquer. Ouais, carrément. Il y a le petit cadenas, ouais. Donc attends, bah écoute, je vais marquer un autre point d'interrogation. Putain, j'ai l'impression que j'ai un zombie qui est vraiment juste ici. Là. Non, ça va. Non, ouais. Ok. Allez, vas-y, j'ai marqué un autre point d'interrogation là-bas. Il y a un hurleur là, allez on va aller le tabasser. Et hop. Je me suis fait prendre une ratatouille par un zombie là, vraiment. Ils sont énervés quand même dans cette zone, hein, les zombies là. Ça attaque contre quoi là? Oh là là, merde. Putain, j'ai complètement raté mon coup. J'ai voulu faire, tu sais, le truc, l'attaque puissante où je fais la toupie là, mais je me suis raté. Donc je suis en train d'agoniser, Jean-Marc. Ok. C'était un epic fail. C'est bien que je suis pas bien réveillé, ça, tu vois. Ah, ça y est, je suis mort. Dead. Bon. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus prudent, là. Allez, vas-y. Zone sécurisée. Cool. Attends, j'arrive, je reviens, du coup. Bah je suis, ouais j'ai respawn à 170 mètres, donc pas la porte à côté. Mais... Il va passer à côté des 3 points, la bleue là. Je sais pas, je suis assez loin, donc pour l'instant je suis en train de zigzaguer entre les zombies. C'était le point ici? Non, je pense pas. Oh, il y a plein de petits... Je suis en train d'y aller là. Ah, y a, en effet, il y a un point bleu ici, ouais, mais bon, tant pis. Ok, qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'était bizarre ça. Non, je te suis. Tiens, zombie! Et en fait, du coup, j'ai pas compris comment les mecs qui se transforment en zombies, du coup, puisque vu que les zombies ils dévorent les mecs, ils peuvent plus se transformer après. Si tu es vivant. Ouais, et que t'es... ah d'accord, ouais, ouais. T'as plus de... Voilà, c'est là que... Oh, ok, je vois. Alors, il y a un truc ici, Jean-Marc. Voiture de flic... Ouais, mais c'est pas le point d'interrogation que j'avais marqué. Celui-là, il est pas marqué sur la map, c'est bizarre. Ouais. Enquête déjà faite. Ouais, un petit peu, mais bon. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure qui m'a valu de mourir. Ouais, ils sont énervés là quand même. Alors attends. Attention, je mets... Ouais, vas-y, mets le feu. Moi aussi. Oups, attention, ça va exploser. Ils sont énervés là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, ils sont énervés dans cette zone quand même, hein? Les niveaux 3 là, c'est... C'est bon? Bon, allez, vas-y, je vais faire la première voiture de flic. En espérant que ça ramène pas. J'ai une tête en pleine libidière. Tu dois faire des photos. Ouais, c'est clair. Je sais pas s'il n'y a pas un mode photo sur ce jeu, mais ça pourrait être marrant. Allez, allez. Ah putain, j'étais presque. Non. C'est bon. Oh là, le coffre de la voiture. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir si elle va péter ou pas? C'est aléatoire en fait. Bah elle a pété. Ah, ouais, c'est ça. Elle va changer de couleur là, logiquement. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, moi je l'ai entendu péter, moi. Je l'ai entendu péter. Ouais, elle a pété, moi. Il y a eu une explosion, ouais. Mais j'avoue que j'ai juste entendu les zombies tu sais, crier, mais il n'y a personne qui est venu. Donc c'est bizarre. D'accord. Ok, celle-là c'est ouvert. J'ai ouvert le camion. Ok. Bon bah écoute, très bien. Bah voilà. Ça pète pas. Alors je vais récupérer les sacs, il y en a un petit paquet là. Allez, filez-moi vos sacs. C'est marrant ça, tu sais, les petits zombies se trimballent avec leurs petits sacs. Leurs petits sacs où ils ont leurs petits nécessaires de zombies, tu vois là. Bah attends, c'était des zombies. Ils ont leur petit rouge à lèvres de zombies, leur petite lime à ongles de zombies. Ok. Moi, je vais me soigner d'abord. Ouais, vas-y, moi je vais me mettre là-haut, je vais regarder la map. Voir où est-ce qu'on pourrait aller en prochain objectif. Ah bah on n'est toujours pas arrivé au point d'interrogation que j'avais mis à la base, c'est vrai. C'est là-bas, on n'est pas loin du tout. C'est à si sur les calques. Non, non, c'est vraiment juste ici, là. C'est vraiment, vraiment juste ici, j'ai trouvé, là. Ah, conteneur d'inhibiteur détecté! Incroyable. Bon, je vais rentrer à l'intérieur du magasin, mais je pense que ça va être assez chaud. Parce que, ben, on est en pleine journée. Alors, il y en a beaucoup. Oh putain! Je me casse. Bah, c'est ce que j'allais dire, mais du coup, ils ont été trop rapides. Voilà. On va aller cramer un petit peu là. Faudrait leur balancer. Attends, je peux. Je vais chercher dans mes stocks là. Des UV. Ah ouais, bien vu ça, histoire de pouvoir faire diversion et rentrer. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est bon? Je me mets tout de suite. Yes, bien vu. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, rentre. Oula, oula, oula. Par contre, attends, par contre, il faut que je fasse quelque chose parce que... Ils sont quand même énervés. Ouais, ouais, je me barre. Hop, 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 tire-toi de là, toi. Merde. Bon, je crois que je vais y passer. Ah ouais, je vais y passer. Tant pis. Ah, ça commence à devenir difficile, même les petits magasins comme ça, en journée, là. Ouais, mais bon, moi, je sais pas ce qu'a explosé, là. Exposé qui m'a foutu à terre. Bon. Alors du coup, bon, on est où là? Ben je sais pas. Oh, on est loin. Bon bref, de toute façon je m'en fous. Il n'y avait pas un autre point avant? Eh ben non. Enfin si, mais le jeu ne nous l'a pas accordé. Je sais pas pourquoi. Tant pis. On va aller ici. C'est un autre emplacement qui vient de se découvrir. On va surveiller l'heure aussi, et puis quand l'heure viendra, on retournera en direction de l'hôpital et on essaiera de l'infiltrer. Bah, tu sais, là où on était hier et qu'on s'est fait tuer par les rapaces. Oui, oui. On va s'infiltrer pour toi. Moi, je l'ai fait hier. Tu l'as fait hier, toi? D'accord, ok. Ouais, en pleine nuit. Hein. Donc, faut vraiment y aller. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça. Je suis pas tombé sur un seul rapace. Donc. Ok, ah, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait, tu vois. Ça me semble logique en même temps. Qu'on ait eu des rapaces parce que du coup après c'était la journée. Donc, il était 8 h, ouais. Ils sont rentrés à la maison. Voilà. Ils avaient fini leur journée de travail. Leur journée. Vous êtes des gentils, vous, ouais, c'est bon. Alors attends. Où suis-je? Voilà, c'est là. C'est ici en bas, à 29 mètres. Je commence à m'habituer petit à petit à la... Ouais, ouais, en bas. À la map, à la débilité de la map. Où est l'entrée du magasin? Ça va être de l'autre côté, je pense. Sur la petite place, là... Ici, hop, c'est trouvé. Ouais, il y a du monde, ouais. Mais bon, ça va. Il y a beaucoup moins de monde que... Tiens, lui, par exemple. Hop. T'as vu? Il n'y avait pas grand monde là. Je pense que c'était une promenade de santé par rapport à l'autre endroit de tout à l'heure. Par rapport à l'autre, on voit ce qui nous réservait. Ouais. D'ailleurs, quelque chose de pas mal. Ok. C'est bon. Et je crois que j'ai oublié la petite pièce ici. Oh putain, l'enfoiré m'a fait peur. Trop tard. Ah putain! Ouais. Sur mes pinceaux. C'est bon, ça y est. C'est juste qu'en fait, du coup, j'ai voulu le, appuyer sur X pour l'étrangler, mais sauf qu'il a commencé à crocheter la truc, cet imbécile. Ouais. Hop là. Ah là là, mais c'est pas possible quoi, un facile là. Ok. J'ai trouvé une astuce, Jean-Marc, au cas où. Et c'est exactement la même astuce que sur Fallout 3. C'est-à-dire quand t'es en train de crocheter un truc, tu sais, plus tu fais de tentatives et plus ton crochet faiblit, voilà. Et en fait, bah, si t'arrêtes et que tu réessayes avant de le casser, et bah, ça réinitialise la solidité de ton crochet. Ouais, ouais. D'accord. Donc en fait, tu as besoin, genre limite, si tu fais attention, avec un crochet, tu peux faire toute l'entièreté du jeu. D'accord. Okay, ouais, tout fait, c'est bon, j'ai plus rien ici, c'est quoi ça? Un extincteur? Bref. Allez, attends, 2 secondes, avant de sortir, je vais regarder la map pour définir notre prochain objectif. Alors, on a un autre point d'interrogation qui est apparu ici, on va y aller. Et c'est... Et après, on pourra faire une zone... Enfin non, on va pas faire une zone de nuit, on les fera pas maintenant, puisque on veut privilégier d'abord de faire cet hôpital là. Donc allez, vas-y, c'est parti. Faut qu'on soit à proximité au moins. Ouais. Dès que la nuit tombe. Ouais, ouais, comme ça on rentre direct, on perd pas de temps. On commence bien. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et... Il te faut ça, hein. Il te faut au moins. Ouais, ça. Ouais. Ouais, parce que on a vu, elle est quand même assez grande la zone. Et bon, les premiers on les a déjà fait, donc ce sera juste une histoire de tuer les zombies. Voilà, rentrer dans les pièces. Voilà. Si, pour les cristaux. Si, ah oui, ils respawnent. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ouh putain, non, 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 j'ai failli faire une connerie. Si, là, lui. Hop, des zombies. Ah non, pas des zombies, des méchants. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Allez, c'est parti. Ouais. Vous savez, moi, vu que j'ai choisi les pacificateurs. Ouais. Je ne peux plus, sur ma map, à moi, aller dans la cathédrale. Ah ouais, sérieux? Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Je peux aller que dans le gros camp des pacificateurs et tout ce qui est... Après, les autres petits camps, ça va, mais la cathédrale, je peux plus... Ok, donc j'ai trouvé un endroit avec voiture de flic et compagnie là. Ah, il faut que je me gratte l'oreille et je suis en plein milieu d'un combat avec un zombie. Ok. Alors je vais en profiter, je vais essayer de projeter la voiture de flic. Donc j'ai une petite fenêtre de tir. La voiture de flic est crochetée. Et des zombies sont en train de me taper. C'est bon, là, ça n'a pas explosé. Je vois. Il y en a une deuxième là-bas. Ok, le fourgon s'est ouvert. Et les soucis. Donc ça va sauter. Sûrement, oui. Ouais. C'est sûr. Voilà, ça y est. Ça a dû sauter, ils sont là. Ils apparaissent du sol, quoi, des bouches d'égout en fait. Ouais. What? Qu'est-ce qu'il nous a fait lui là? Il a disparu le truc, quoi. Il a fait déplacement instantané tel Goku. Hein? Mais... Ah, il y a des bugs, hein. Il y a carrément des bugs. Ok. Donc, on a récupéré le tout. Il n'y avait pas un fourgon à proximité, un fourgon de la poste. Non, c'est bon. Ok, alors tiens, je vais ouvrir la map. Je vais regarder où est-ce qu'on va pouvoir aller. Ensuite... ben écoute, c'est quelle heure est-il? Il est 13h51. Je pense que petit à petit... on peut se rapprocher et aller peut-être dans un endroit où il y a un bazar ou un... Comment? Ouais, une boutique. Genre ici, là. Ouais, magasin. Allez, vas-y. Je vais mettre ça. Bah, la cathédrale. Du coup, tu pourrais y aller quand même dans ma partie? Oh, oui. Oh, oui, dans ta partie. Ok, attends, je récupère un petit peu des sacs. Bon allez, let's go, je m'en vais. Hop là, ok. J'aime bien ces petits réseaux de tyrolienne quand même. Ouais. Oups. Ouais. Et bah, et ça déclenche quand le reste? Le reste de quoi? Bah, les ballons, les machins, les trucs comme ça. Non, je pense qu'il faut que je le développe, tu vois. J'ai pas trop vu comment. Les ballons de réception. Alors donc ça là-bas c'est pour la nuit. Merde, pourquoi... Il s'est pas accroché cet imbécile là. Des fois il est un peu con hein, ce mec. Alors, c'est où? C'est toi là. Alors, je vais te vendre tout ce dont j'ai pas besoin. Cette arme. Oula, j'ai plein de fringues là. Ah, ça c'est mieux ça, je vais garder celle-là. Et du coup je vais vendre ça. Et je suis bien, voilà. Est-ce que je pourrais pas lui acheter peut-être une arme ou deux là, histoire de... Des bonnes armes. Tiens, je vais lui acheter de ça aussi. En cocktail molotov, je lui en ai acheté aussi. Hop. Ouh, 64 dégâts, celle-là, elle fait. Je vais lui acheter, je crois. J'ai plein de thunes. Il faut bien que je l'achète avec quelque chose. Une batte, là, ça, c'est cool, ça. Bah oui. Une grosse batte qui fait beaucoup de dégâts. Hache de bourreau. Waouh. Hop, c'est bon, je lui ai acheté une arme. Et du coup, bah, je vais lui acheter une lampe à UV aussi. Je lui ai acheté deux lampes à UV. Et avec ça, on sera pas mal, je pense. Alors, du coup, mes habits, il va falloir juste que je m'équipe. Ok, très bien. Fabrication, je vais me refaire des... des cocktails molotov. Histoire d'en avoir. Ouais. Et je vais me faire des boosters de régénération. Ça, c'est pour la santé. Mmh. Endurance, résistance. Booster d'immunité, je vais m'en faire aussi. C'est quand même utile. Ok, bon, je pense que je suis pas mal. Ah, je peux pas l'améliorer celle-là. Bon, tant pis. Modifier. Ah, je peux pas, j'ai pas suffisamment de trucs. Bon. Tant pis. Ok, bon, je suis prêt, Jean-Marc. Sur la carte. C'est encore tôt, hein, mais bon. On peut se faire éventuellement un magasin ou quoi à proximité. C'est où qu'il faut aller déjà? C'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à proximité? Celui-là, il nous faut combien d'endurance? Il faut 300. Et comment ça, j'ai pas 300 d'endurance, moi? Ah non, j'ai pas encore 300. D'accord. Ok. Je suis niveau 7 en endurance, moi, en fait. Hein? Ah ouais. Il faut trouver des machins. Des... Ouais. Des trucs... Des potions magiques. Ouais. Bon, ça y est. J'ai mis un point, Jean-Marc, je vais sortir. Toi, c'est bon, toi, au bazar? J'ai vendu. Faut que je change de vêtements. Parce que j'ai mis des vêtements exprès pour les armes de loin. Ok. Pas... Vas-y, moi, je vais me rapprocher petit à petit de la zone, là. Ok, XP des combats là, c'est bon ça. Hop, chaussures, je vais mettre celle-ci quand même. Je vais mettre une 11% distance. Regard rapproché, couleur d'endurance qu'on va rapprocher. Le soin, je mets un soin ici, c'est suffisant si je vais changer. Il y a quoi? Qui m'appelle? Oh, désolé. Ok. Ouais, c'est parti. Bon, on va être vraiment juste à proximité de l'hôpital, là. Donc, ok. Allez, j'arrive. 15h, ouais. En plus, ils me disent cantonneur d'inhibiteur détecté. Ça doit être dans le métro, ça, non? À coup sûr. ou dans un... Ouh putain. Ouais, il y a un truc dans le métro là, c'est sûr. Oh putain, t'es qui toi? Non, ça va. Ouais, il y en a un. Oh! Allez hop, barbecue. Pour nous faire chier, non? Allez, venez. Je vous attends, les petits gars, là. Ah, pardon, Jean-Marc. Ah bah il est là. Il est juste ici le truc. Ouais, il est juste là. Yes. Oh, je surveille. Ouais. Parfait. Voilà. Et là il va y avoir plein de petits sacs. Plein de petits sacs. Bon, moi les pièces je les ai vendues. Je m'en sors pas. Ouais, t'as raison, c'est clair. Il faut que je les vende aussi. Je m'en sers jamais. Oui. Je trouve ça nul. Oh, non, non plus. Ah ouais. Voilà. Magnifique. Voilà. Là-bas, ça continue là-bas? Ouais, je crois qu'il y a des, ouais, y a des trucs. Ouais, ouais, il y a pas mal de trucs. Écoute, on peut y aller. Hein. Pas beaucoup d'ennemis. J'en ai vu un là derrière. Faire péter ça. De quoi? Tu dois pouvoir faire péter les extincteurs si tu les... Ouais, exactement. C'est ce que je pensais aussi. Ouais. Il y a des trucs au-dessus, t'as vu? Bon. Je sais pas trop si c'est dans la rue ou quoi. Enfin bref. Et là-bas, il y a un sac que j'ai oublié. Ok, donc il est 16h, on a encore 16, 17, 18, 19, 3 heures devant nous. J'ai marqué le magasin là, où est-ce qu'il est? Où il est? Il est là. Et il est, l'entrée est de l'autre côté. Ah, c'est celui où on a... D'accord, c'est celui où on a... On s'est fait latter comme des... Donc je vais essayer de prendre ma lampe à UV comme toi t'avais fait. Je vais t'attendre aussi. C'est en bas là? Ouais. Déjà, là en bas, là, c'est une. T'es là toi, t'es dedans, ouais? Vas-y, je vais faire pareil que toi. Vas-y. On peut pas, en fait on peut pas, putain mais c'est n'importe quoi ça. J'ai pas pu sortir. On peut pas rentrer. Ouais, on peut pas rentrer, ouais. Bon, non plus. Bon. Ils te font direct. Ouais. Mais ils sortent pas. Mais c'est juste que quand t'es bloqué dans le passage là, ils devraient pas pouvoir te toucher quoi, tu vois. Ouais. ouais, attends, il est où ce magasin? Il n'y a pas un truc avant là? Oh, mais ce magasin, on va l'oublier. Et... vas-y, lâche-moi, toi. On va aller ici. Du coup... ce magasin, on va y faire une croix dessus pour le moment, hein. C'est pas un bon magasin. J'aime pas trop le personnel. Ils sont pas très accueillants. Il y en a un autre là. Alors, je vais en profiter, tu sais quoi, on va y aller là, je vais y aller, je vais profiter que ce soit le jour, je vais attendre tranquillement, patiemment sur le toit, et je vais en profiter pour crafter des trucs, etc, tu vois. Ouais, je vais recrafter un peu d'alcool là. C'est vrai qu'on pouvait pas rentrer ici, il fallait contourner la passerelle, c'est ça? Je crois que c'était ça. Alors, ah, ici, ok. On peut y accéder par là aussi, Jean-Marc. C'est pas cet hôpital qu'on était? Bah, si, si. Si, si, c'était là. Ah, si, 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 si. Ok, c'est bon. Bah écoute, je suis monté, il y a un côté où en fait il y a une, tu sais, en face du KFC là, du chicken pie, ouais. Il y a un grand truc avec un panneau de publicitaire, etc. Je suis monté par là, voilà, au-dessus de toi là, si tu lèves la tête, je suis au-dessus, je suis monté par ici. Okay, d'accord. Donc ça, c'est plus pratique, je t'avoue. Qui est là. Si c'est fermé, on ne pourra pas rentrer. Mais bref. Alors. Tiens, je voulais regarder un peu. ouais, elle est là. Je voulais regarder un peu, justement, si je peux pas me crafter des choses fabrication là. Fabrication, genre je pourrais me faire éventuellement des cocktails molotov. J'ai des lampes à UV, des lampes à UV plus puissantes. Je m'en suis fait quelques-unes. T'es rentré toi à l'intérieur du coup? Ah non, t'es là? Ok. Non, non, pas encore. Bon. Salut Nurnen, ça va? Nazar a disparu de la map de RDO sans blague. Comment ça? C'est quoi? C'est un truc... c'est un bug ou quoi? Ou ça fait partie des nouveautés? J'espère pas quand même. Attends, je suis en train d'ouvrir Twitter, Nurnen. Madame Nazar a disparu. Bah ouais, c'est... mais c'est quoi, Nurnen, tu sais? Tu sais si c'est un bug ou quoi? Ouais, et je sais pas si vous avez vu là, soi-disant hier soir, les serveurs de Red Dead, ils ont été inactifs, mais c'était pile pendant qu'on faisait le stream and chill. Donc perso, nous ça nous a pas affecté quoi. Il n'y a eu aucun problème. Hein. Il y avait même pas mal de joueurs sur le truc. C'était pas nos serveurs. Hein. Non, c'était pas les notes. Nos serveurs ils étaient bien. Je sais pas, je vois rien sur Twitter pour le moment. Non, je vois rien pour le moment, Nurnen. Il n'y a rien eu pour le moment, mais il n'y a pas de collection, il n'y a pas les collections de d'habitude, et Nazar a disparu. Ok. Bah écoute, à mon avis ça doit être un bug, Nurnen. On verra, je vais regarder un petit peu, je vais me tenir informé. Pour l'instant j'ai vu aucune annonce de personne, aucun créateur de contenu non plus. Donc à voir, je suppose qu'on en saura plus rapidement. 18h26, t'es prêt Jean-Marc? Attends, j'améliore un truc. Moi, je vais préparer mes boosters de trucs, je vais préparer mes lampes à UV. Cocktail Molotov, ils sont là. T'as eu les infos de chez les Yakuza, Nurnen, tu dis? J'ai eu l'info de chez les Yakuza. C'est qui les Yakuza? Je connais pas. Enfin, je connais le gang japonais, mais pas... je pense pas que tu parles d'eux. Alors, attends. Je regarde vite fait s'il y a des choses sur YouTube notamment. Non, 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 pour l'instant je vois rien, Nurnen, moi. Nulle part. Mais je vais laisser Twitter ouvert, on va voir. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Hein. Je vois rien. Je vais regarder. Je vais laisser en fond, là, comme ça, et puis je regarderai Nurnen. C'est des streamers RDO? D'accord, ok. Et bien après, c'est peut-être aussi un truc passager. Hein, je sais pas, tu vois. Pour l'instant, je vois vraiment rien sur les réseaux sociaux. Donc, à voir, de toute façon, si c'est un truc général, on le saura assez tôt. Allez, on va regarder le ciel se coucher, les zombies sortir de leur... Rencontre ratée? Ah, mais je m'en fous. Ouais, c'est rien. T'as vu qu'il y a une... C'est bien une ouverture, ça, ce qu'on voit ici, là, dans le... Ouais, bah, on y rentre, là. Ah oui, c'est... Ben, on y est rentré l'autre jour, d'ailleurs. D'accord. Ah, ça sonne. Oui. Magnifique ton arme, Jean-Marc. Ton arme. Ouais. Électrique. Moi, je vais sortir celle-là, la faucheuse. La faucheuse. Ouais, j'espère aussi, Nurnen, quand même, ce serait bête. Mais tu penses à quoi quand tu dis mauvaise nouvelle? Moi, dans tous les cas, je pense que ce sera un bug, tu vois. Ils vont pas retirer Madame Nazar. Enfin, je veux dire, ils vont pas enlever du contenu, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Qu'ils en ajoutent pas, c'est une chose, mais là, en enlever, ce serait quand même bizarre, je dois bien avouer. Ouais, c'est bizarre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça y est, allez, c'est parti, Jean-Marc. Let's go. Let's go, bébé. C'est pas l'heure encore? C'est le coucher du soleil. C'est marqué sur là, là c'est la nuit. Ouais, voilà, moi j'avais le... C'est à partir du moment où ils te mettent le... Comment ça s'appelle le timer, quoi. Hop, alors. Pardon, c'était pas volontaire. Ouais, par ici. Ouais, ouais, le rôle est toujours là, donc je te dis, je pense plus que ça va être probablement un bug, tu vois. Un souci de ce genre. On va pas perdre de temps, à part les cristaux, Jean-Marc, on va juste tuer les ennemis, quoi. Si tu veux, histoire de gagner du temps. Merde, notre il m'a vu là. Non mais c'est dingue, les médecins pour les tuer, laisse tomber. Ouais, j'avoue. Alors, c'est par ici, les cristaux. Okay. Ouais. J'ai ouvert le truc juste ici aussi, au cas où, si tu veux. Ouais. Il y en a un qui m'avait vu là, mais c'était le seul. Et je pense que maintenant, il nous a oubliés. Je vais mettre ça. Ça y est, il m'a vu. Il m'a vu, il arrive. Il a pas appelé ses potes. Ah, ça y est, il appelle ses potes ou quoi? Attends, je balance un cocktail. On s'arrête pas. À chaque fois, il faut que j'arrête d'essayer de faire ça. Bon, allez, hop. Verrouiller, c'est par là. Merde! Oh putain, je... Oups. Alors, où est-ce qu'on passe? Par ici, mais on l'avait déjà récupéré ici, hein, c'est ça? Donc ici on s'en fout là. Ouais, faut descendre. Ouais. Faut qu'on descende. Alors c'était là. Ouais, ici là. 22h. Ouais, c'est ça. Le dernier étage, il y aura un gros. Il y aura un gros? Ouais, t'inquiète, j'ai les flèches. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je prends un peu de ventoline. Alors, tiens, ici, je vais aller chercher le cristal. Oula, putain, attention, le poison ici, il est méga chaud. C'est 20 secondes ici là. Oh putain. Mais qu'est-ce que... Oh là là, il faut que je prenne un... D'accord. Ouais, c'est bon. Okay. Moi j'ai 2 minutes. Ouais. Vas-y, vas-y. Pareil, maintenant. Voilà. Impeccable. Pas de stuff. Pas de matos. Oups. Waouh, waouh, waouh. Attends. Ouf, oh, il y en a plein là. Ouais, ouais. Hop là. Un petit peu d'UV. Voilà, ça leur fera pas de... ça leur fera pas de mal. Un petit peu de bronzage. Attention, je balance un cocktail. Ouais. Ah ouais, j'ai vu. Verrouillé de l'intérieur ici. Comment ça? Ah ok, on doit pouvoir passer par là je pense. Ouais, ouais. Bah alors. Voilà. Tu suis les tuyaux. Alors attends, j'ai pas vu les tuyaux. Où t'as vu un tuyau toi? Ah d'accord, ok. Attends, mais parce que là, il y en avait un là-bas, Jean-Marc, je crois. Il y en a un ici, là. Il y en a un ici dans cette pièce. Ouais, ouais. Et du coup, ils me disent verrouiller de l'intérieur. Ah, ben ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. J'avais pas vu ça. Bon, ok, vas-y, c'est bon, c'est ouvert. Parfait. Il faut que c'est pas un truc contaminé. C'est clair. Ok, cool. Ça ouais, s'est récupéré. On ouvre. On récupère tout ça. J'ai rien d'autre à récupérer là, non? Là, là, là. Ouais, je m'en fous. Ok, allez, hop. 1 heure. On n'a plus que le dernier étage. Ah, impeccable. On est pas mal. Des trucs intéressants ici. Ouais, il y a un petit produit. Signateur. Poubelle. Parfait, des soins. Des gros soins. Il les a pris là, les gros soins? Où ça? Là oui, j'éclaire. Ah non, je les ai pas vus. Merci. Alors attends, quelle heure est-il? Combien il me reste? 2 minutes. Je vais prendre un petit coup de pchit histoire d'être tranquille. Ouais. Moi aussi. C'est parti. Et on descend. Alors attends, je vais changer d'arme parce que celle-là, elle est trop, elle commence à être trop usée là. Ici, tu dis il y a un gros? En bas, ouais. Ah, un gros... ah, ça va. Si c'est que un gros... Ouais, ouais, ouais. Okay. Si c'est que ça, ça va. Ils font plus trop peur, ceux-là, ça va. On va cramer un peu. Hop. Voilà. Cramer un peu. Voilà. Cramer un peu. Un peu de barbecue, c'est bon. On va nettoyer le haut là. Ouais, ça marche. Attends, je vais prendre ça là. Oh merde, attention Jean-Marc, attention, 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 attention. Très bien. Oh. Ça va gros? T'as pas l'air d'être dans ton assiette. Tiens. Ça va te réchauffer le cœur. Alors, 2 h du mat, ça va, on a encore le temps. Y a une pièce là où il y a... Ici, ouais, il y a un cristal, je pense. Et... Ouais. Vas-y, vas-y. Je vais m'occuper du cristal. Ok, cristal, c'est fait. Y aller ici, je suppose. Je vais lui balancer des petits couteaux histoire de l'embêter un peu. J'espère qu'il y a un truc intéressant là-dedans. Nickel. Bien, alors. Attends, attends, bouge pas. Moi, je peux encore leur balancer des cocktails Molotov, hein, sinon. Pas mal, ça. À base de couteau là, tu vois, hop, comme ça, histoire d'avoir les petits aussi. Parfait, ça, c'est du bon travail, ça. Hop là, il y a quasiment plus de petits là. Et le gros, tu l'as tué déjà? Magnifique. Ouais. Ça, c'est du bon travail. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Ça va, ça va. Je suis encore, j'ai encore un peu de marge. Okay. Il y a un placard, là, je le vois. Ouais. Les petites pilules. Le clou du spectacle, le truc le plus important et le plus intéressant, c'est surtout notre petit cantonneur d'inhibiteurs qui va être là. Yes, merci Jean-Marc, cool. Oh là là, il y en a 2 d'un coup. Oh, c'est magnifique. Ouais. C'est merveilleux. Et là, voilà, tout est nettoyé. Ouais. Parfait. Il est 4 h 24. Voilà. On peut rentrer, boire un café. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors attends, c'est quoi, je vais quand même regarder vite fait un peu. Mais franchement, c'est cool, on a eu fastoche là. Fastoche. Eh bien écoute, je te propose qu'on aille faire la quête principale. Elle est à l'autre bout de la map, ça va nous permettre de nous faire un petit peu de sport. Ça tombe bien, il y a un hurleur juste ici. Attends, attends, bouge pas. Oh, tu les one shot, c'est impressionnant quand même ça. L'autre il est tombé là. Merde, je peux pas sortir. Si, ça y est, c'est bon. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Merde, je peux pas. Bon, tant pis. Non, tu peux pas là. Hop. Là, je peux. Et là, il y a un hurleur. Ok. Allez, allez, hop, ok, c'est bon. Bah, je vais en direction du point jaune là, tu vois. Ok, ouais, d'accord. Pas de soucis. Pourquoi pas faire un petit, une petite pause ici? Est-ce qu'il y a un marchand par ici ou pas? Non, il n'y a pas de marchand. Hein. Ah si, il y a un marchand. De la marchandise de qualité. Eh ben écoute, t'as un beau marteau. Je vais te prendre ton marteau. Ouais, je vais prendre son marteau, allez hop. Et je vais te vendre. Moi déjà, je vends tout le bordel là. Hop. Ah si, voilà, je vais lui vendre ma faucheuse. Parce que du coup, elle est en bien piteux état maintenant. Et voilà. Eh ben ça me fait bien plaisir que tu me dises ça. Maintenant, tout de suite, maintenant, il y a moins 50. Ouais, pour l'instant, on a, ça va. Oh. D'accord. Ah, je me suis fait... non, ça va. Allez, je vais le prendre. Non, non, coucou. 8 est quand même là. Ah, il y a des mecs ici là. Ou des zombies. Hop. Hop, c'est impeccable. J'ai vaincu les infectés. Hop. Parfait. Ding ding ding. Oups. Ok, c'est où qu'il faut aller? C'est bizarre ça quand même. Attends, je vais me soigner. Bah, attends, on peut pas aller là-bas, c'est une zone d'infestée là. Écoute, on va voir. YOLO. Ah, c'est là, d'accord, ok. C'est l'endroit où il y a la... C'est dans l'immeuble, là. Je sais pas où t'es, toi, Jean-Marc. Mais je vois où c'est. Ok. Toi. Je pense que c'est là-haut. Tu sais, la zone... Bonjour, ça lève, hein. Donc, il doit falloir probablement sauter ici, accéder à l'échelle. Et c'est parti. Pour moi, là où je suis, là, au niveau de la zone de... du truc... où il y a un gros affecté là, avec ses deux bras, là, ses quatre bras. Ouais. Maintenant, vu que je travaille pour j'ai libéré les machins, les pacificateurs, ils ont mis une tour de défense. Oh, ok. Bon, alors je vais améliorer mon endurance. Je suis à 8 en endurance. C'est quand même pas mal, hein, franchement. Et du coup, par contre, je comprends pas, parce que j'en ai trouvé, on en a trouvé plus d'un de cantonneurs d'inhibiteurs. Et pourquoi ils m'ont... Oui, c'est par 3. Ah, d'accord, ok. Ah, oui, je vois ici, là, en effet, 1, 2, ok, il m'en manque 2 là pour pouvoir améliorer un truc. Faut que tu les remplisses pour... Ok, je comprends. Alors, attends, Nurnen, je sais pas si t'es toujours là, je vais regarder un peu si je vois des avancées sur Twitter. Je vois rien pour le moment, Nurnen encore. Bon. Ok. Je vois rien. Le mec qui porte une sacoche jaune fluorescente. Ouais. Il a plein de trucs à l'intérieur. Des montres, des bagues, des trucs. C'est qui? Ah bah là, j'ai tué un mec, je voulais savoir exactement pourquoi sa ceinture était fluorescente. Ok. Une banane, et bah je l'ai fouillé. Montre, bijoux, comme ça. Tout ce qu'il y avait avant. Ça marche, écoute. Le pactole. Alors, on va aller lui parler là. Je vais aller ici. Crochetage. Ah, mais il faut que je crochette en plus. Sans blague. Et hop là. Ouais, c'est ça. Il y a des tonnes de trucs à récupérer là-dedans. Et il y a un cantonneur d'inhibiteurs à proximité. Ouais, derrière. Ouais, ouais, je le vois, je le vois. Vas-y, tu sais quoi, on va faire le tour un peu ici, là. Bah, ouais, ouais, on va faire le tour. Les mecs qui font... J'aime bien, s'ils arrivent chez des gens, ils fouillent tous les placards, ils fouillent tous les tiroirs. Je fais comme chez moi, les gars. Il y a des plantes. Oh, bah, c'est tout. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il y a des portes sans poignées. Franchement, ça c'est... Où est-ce qu'ils ont foutu leurs poignées, quoi? Bon, bah écoute, allez, vas-y, Jean-Marc. J'ouvre la porte. Et je mets la main sur le cantonneur d'inhibiteur. Dites-moi qu'il y en aura 2, s'il vous plaît. Oui, 2. Comme ça, je peux direct améliorer un machin. C'est magnifique, ça. Jean-Marc balance des bouteilles. Alors, attends. Du coup, je vais améliorer. Et cette fois-ci, je vais améliorer ma santé. Santé. Ah, je suis à 280, tu me diras. En santé, je suis au niveau 3. Donc là, je vais passer niveau 4. Après tu regardes tes compétences. Tu vois, si tu préfères tout ce qui est combat... Non, clairement, je préfère tout ce qui est parcours. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est noir, toi. Wow, oh là, oh, zut. T'abuses, t'en as trop pris, Eden. Eden, il devient accro à ces trucs. Ça se voit là. Ouh là là, tu vois, avec la manière, avec laquelle l'agressivité dans les gestes et tout, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez Eden. Alors on est chez qui là? Le Fadas. Et la fille. Le frère et la... Ah ouais, d'accord, ok. Jean-Marc il ouvre les placards. Rien à foutre. Allez, j'aime bien cette chemise, je la prends. Moi je la prends. C'est bon, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Il y a plein de bouteilles par contre. Ah, là regarde, on peut examiner quelque chose. Un cendrier. C'est clair, je te le fais pas dire. J'ai pas envie d'être leur coloc. Allez, oh, 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 oh. Ah, du feu, ça va. C'est Jean-Marc qui fait péter les trucs. Là, c'est... Voilà, ça j'avais bien vu ça. Ouais, j'espère juste un bug aussi, Nurnen. Ouais, mais je pense, à mon avis. Hein. Enfin, tu vois, ça me semblerait complètement hallucinant. Alors là, pour le coup, qui... ok. Alors quoi? Là, par terre. Tuyau. Et... Voilà. Et là, c'est quoi ce bordel? De la peau humaine. C'est de la peau humaine. Hakon, j'ai trouvé le tatouage qu'ils ont pris sur Lucas. Putain de barjo. Quoi? Ouais. Je vais gerber. Dégage de là. On parlera à Aitor et... Ah, on va pouvoir enfin lui mettre une tarte dans sa gueule. C'est sûr. Ah, enfin, on va pouvoir lui foutre une raclée. Quoi? Quoi, on peut pas plus? Vas-y, laissez-nous lui foutre plus une raclée que ça, quoi. Là, c'est juste un apéritif, là, tu vois. C'est une mise en bouche, là. Il est en train de nous la mettre à l'envers. Ce putain de pèlerin est en train de nous piéger. Qu'est-ce qu'il raconte, Aiden? J'ai trouvé la preuve, cachée dans tes affaires. Une preuve? Tu mens très mal, Sophie. T'as coupé le tatouage du bras du commandant Lucas. Après sa mort? Ou quand il était encore vivant? T'es complètement cinglé. C'est pas moi. Peut-être que c'était pas toi. Mais ton taré frère Barnet n'est pas un psychopathe. Nous n'avons rien à voir avec la mort de Lucas. Je vais voir Aitor. J'ai la preuve qu'il cherche. Aiden, c'est pas nous. Personne te croira au bazar. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Alors, moi personnellement, j'ai fait l'autre côté. D'accord. C'est dingue. Qui ferait ça? Et pourquoi? Pour que toute l'attention ne soit pas sur le vrai tueur. Qui a le plus profité de la mort de Lucas? Ouais. Plus à gagner. Si c'était si facile pour toi d'entrer ici, quelqu'un d'autre aurait pu venir avant toi et placer la preuve. Ouais, mais c'est aussi... ben, il faut... Peu importe, c'est entre Aitor et toi maintenant. Attends, je t'en prie. Aitor ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie pas de trouver le vrai tueur. Il cherche seulement une raison pour faire une descente dans le bazar. C'est pas ma guerre. On a déjà entendu ça quelque part. Mais tu auras du sang sur les mains. Le sang des innocents. Quelqu'un est en train de nous piéger. Quelqu'un d'intelligent. On n'est pas des sadiques qui voudraient dépecer le cas. Et tu le sais. Je sais que tu veux te débarrasser des pacificateurs. Oui. Et on s'en débarrassera. Mais pas comme des psychopathes ou des assassins. Crois-moi. Pourquoi je les croirais? Je vais t'aider à te rendre au centre. C'est promis. C'est vrai ça? Pourquoi je les croirais? L'autre là, l'espèce de taré là. Ça m'a l'air dangereux. On se prépare pour ça depuis longtemps. Je te raconterai tout quand je serai prête. C'est clair. Non mais lui, je lui fais pas du tout confiance déjà, et sa sœur, bah, tel frère, telle sœur, hein, comme on dit. Donc moi, franchement, je leur fais pas confiance, moi. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ah ouais, d'accord, intéressant. Bah, écoute, on va découvrir ça. Ouais. On va voir. Attendez l'appel de Sophie. Ok, on est obligé d'attendre longtemps comme ça? Non. Ah, il y a une poignée subitement ici. Il n'y avait pas de poignée tout à l'heure. Si? Non, ah non, si. Je sais pas si on peut visiter la... Il y a encore des trucs à récupérer, je crois. Bah ouais, c'est ça. La pièce à côté. Là, tu vois, là, il y a un coffre, là, derrière, là. Ouais, mais faut passer par l'autre côté. Je sais pas si on peut y arriver. Ah, bouge pas. C'est par là que je passais, moi. Là, par l'autre passerelle. Merde. Oh, on va pas faire ça. Allez, descends, descends du mur. Alors, du coup, t'es où, Jean-Marc? T'es de l'autre côté, toi? Je suis à l'extérieur. Essayer de passer, mais pourquoi je peux pas escalader ici là? T'es sorti où toi? Ici là, là où je suis? Ah mais il y a des barbelés tout autour. Ouais, par là au moins deux. Par où là on est passé là? Mais non, l'autre côté. Attends, attends. Vas-y, je te suis Jean-Marc, je veux bien que tu viennes me chercher. L'autre côté, on passe les colliers là, et le couloir là. Là où il y avait la pièce de l'autre fou, là, tu repasses le couloir jusqu'au l'autre côté. Ouais. T'es où là? Ok. Attends, mais attends, parce que là, du coup, je pense qu'il y a un décalage entre ce que tu vois et ce que je vois. Ah, d'accord, ok, ici, ici, ici. Ok, ouais, ça y est, j'y suis. Voilà. Ouais. Ok, donc il faut que je te suive. Vas-y, je te suis. Ouais, je pense qu'il faut aller là. Je sais même pas si on peut la gripper, ça. Ouais, parfait. Alors attends, je vais descendre ici gentiment, tranquillement. Je peux pas ouvrir les portes. Non. Avec un frigo, c'est bon. Je peux pas ouvrir. Ouais, bon, vas-y. Je vais quand même venir histoire de. Je peux pas ouvrir là ici. Non. De la farine. Ah. Bah, de toute manière, t'entends plus qu'il y a un truc à récupérer ici. Non. Non, 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 ils me disent plus ça. Ok, donc c'est bon. Okay. Okay, donc. Écoute, on a fait ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour patienter un peu, puisqu'il faut attendre que l'autre elle nous appelle là. Les échelles elles sont déjà toutes descendues. Pourquoi j'ai pu... Ah si, voilà, j'ai ça. On a qu'à faire ça. C'est quoi? On va faire ça, ça va nous envoyer directement la nuit. Et puis c'est parti. Ouais. Oh, compétence de parcours en descendant une échelle, c'est magnifique. D'où il y a un hurleur en plein jour? D'où il y a un hurleur? Ouais, des fois... mais ils sont en train de tous de mourir là. Écoute, ouais. Ah, vas-y, ils sont où? Là. Je sais pas si tu vas voir. Ouais, là, j'ai un sac là. Toi, là, il y a un sac là. Ouais, là. Ah, celui-là, je l'ai pas, je crois. Par là. Non, celui-là, je l'ai pas. Par ici, je pense. Ah, celui-là, je l'ai pas. Tant pis. Salut les gars, ça va? Ah, il y a un hurleur là-bas. Non, trop haut. Voilà. Hop là. Échelle. Ah ça y est, elle m'appelle. Bon, écoute, on verra après. Du coup, on verra après. Je vais aller quand même déclencher cette quête là ici, étant donné qu'on est juste à côté. Mais ouais, toi du coup tu dis t'as pas eu ça du tout quoi. Tu crois que c'est parce que j'ai pris parti pour les... Putain, j'espère que j'ai bien fait. Pourtant c'était pas vraiment... Moi je voulais prendre parti pour les pacificateurs de base, mais c'est juste que je préférais les bonus des autres. Donc tu verras, non mais tu verras, c'est... Oh putain, oh là, oh là, oh là, oh là. Je suis sûr qu'à la fin, ouais, se rejoint. Ouais. Possible. Histoire de trahison, de mensonge. Alors, tiens, toi là. C'était qui elle déjà? Je me rappelle plus qui c'était celle-là. Je me rappelle qu'on lui a parlé, mais je me rappelle plus de qui il s'agissait. Tiens, je vais regarder Nurnen un peu si je vois des nouveautés là. Je vois toujours rien pour le moment. Hein? Oh, elle a l'air complètement tarée. Ça. Mais ça c'est ça. Trop de champignons. C'est ça, on dirait. C'est exactement ça. C'est les bijoux du post-apocalyptique. Alors, d'où qu'il faut aller? Bon. Ah merde, j'ai oublié un truc, attends. J'ai oublié d'activer la quête. Protéger de sa moitié. Hop, trouver Timur. Timur il est là-bas, allez c'est parti, let's go. Pourquoi je trouve pas mon point que j'ai mis là libre? Hop, dégage. Petit Timur. On va le savoir bien assez tôt. Ok, non, c'est pas l'heure des histoires. Ah, t'es mort tête de nœud, c'est vrai? De trucs à chaque fois pour les me protéger. Ok. Voilà, alors. Now, next. Prochaine étape. Quand même, le mec, il a des jambes de feu. Hein. Il arrive à tomber des immeubles comme ça. Ouais. Il est solide, quoi. Alors, c'est ici, nous sommes arrivés. Ah, t'as entendu? J'ai entendu dire, ouais, tu te demandes pourquoi l'armée a saisi toutes les armes. L'armée les a saisies après qu'un taré ait fait un carnage en 2024. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah c'est parti, Jean-Marc. T'es là? T'es prêt? Ouais, j'arrive, je monte. Ah merde, ils disent, revenez plutôt de nuit. Bah oui, attends. Je sais pas, parce que j'arrive pas. Ah, ça y est. Écoute, franchement, là pour l'instant, je vois personne. Je vois personne. Par contre, c'est... Ouais, il y a du monde, ouais. Il y a du monde en bas. Je vois que un hurleur, moi. Attends, il y a un hurleur. Vas-y, vas-y. Je vais me le faire, le hurleur. Je vois personne d'autre, moi, en bas. Ah si, ça y est. Oui, si. Je crois qu'il y en a que deux là en bas. Ouais, il y en a deux en bas. Par contre, on n'y voit rien, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est normal. Hein. Alors. Il y a une zone sécurisée là. Je suis le bordel un peu. Bah, on fout d'abord. Je vais te demander l'activité de la mission. Il y a un cristal ici là, je fais le... Ok. Le bijou. Ok, il y a une caisse là. Ok, parfait. Allez. Il y a du monde. Ouais. Faut juste espérer qu'il n'y a pas un rapace en fait, c'est tout. Alors attends, moi j'ai pas terminé ici de fouiller là. Alors moi je suis de l'autre côté là, vas-y. Il y a du... Ouais, vas-y, attends, j'arrive. Ouais, j'ai vu ça. Donc il y a du monde là-haut, il y a du monde en bas là. Quoi ce bruit qu'on entend là? T'entends cette respiration de ouf? C'est là où il y a la mission à continuer. Je crois qu'ils sont contaminés. Attention, il y a un mec qui m'a repéré. Je me suis fait repérer. Ok. Parfait. Allez. On va se continuer la mission. Ouais. On va par là, Jean-Marc? Alors attends. Regardez un peu ici, on est déjà venu ici là. En dessous là, là où il y a la lampe. On est déjà venu ici là. Ici là. Voilà. Je vais construire la porte à côté. Alors, on va d'abord choper tout le stuff et ensuite j'irai ouvrir cette porte là. Et ouais, je les entends derrière. Hop, c'est ouvert. J'arrive pas à prendre le monsieur propre là. Voilà. Ok, est-ce que j'ai oublié des trucs? Ah, ici t'as oublié les placards de la salle de bain, Jean-Marc, avec des petits bijoux. Ah ouais. Okay. Et la poubelle. Okay. Bon allez, c'est parti. J'ouvre. T'es prêt? Parfait. Ouais. Eh bien, c'est trop tard. Eh bien, c'est trop tard. Trop tard pourquoi? Timur est en train de se transformer. Ils se sont tous transformés. Ça fait mal. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que t'as piégé ta sœur dans son appartement? Qu'est-ce que t'as fait, Lowen? C'était un massacre. Des mordeurs de partout. Je suis le seul à avoir survécu. Alors, qu'est-ce que tu fous encore là? J'allais lui dire, mais au lieu de ça, je l'ai enfermé. Et je suis revenu ici pour nettoyer ce bazar. Je voulais pas qu'elle sache. Jusqu'à ce que je m'occupe de ça. Jusqu'à ce que je trouve quoi dire. C'est une adulte, Lowen. T'as une sœur, toi? Non. Enfin... c'est compliqué. T'as une sœur ou t'as pas de sœur? C'est pas compliqué. Aiden, t'es là? T'as atteint l'immeuble? Tu peux pas lui dire. Il faut que ça soit... Ouais, moi je lui dis et ça peut. Bah alors parfois c'est mieux, espèce d'idiot. Salut, je veux parler. J'ai peur que ce soit pas possible. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez, va-t'en. Il est plus ton fiancé. Il est plus ton fiancé. Et l'autre il a dit être heureuse. Pauvre con. Allez, tire-toi là, trou du cul, tu lui as déjà suffisamment menti comme ça, mec. Moi je dis la vérité, c'est tout. Voilà. Ouais. On peut pas le tuer en plus. Bon, il est pénible là, ça y est, c'est la période le chat. Allez, tu descends de là. Tu descends de là. Va-t'en là-bas. Alors. Arrête. Va-t'en, allez, il n'y a personne ici là. Il nous manquait du coup le rez-de-chaussée. Non, l'étage là. Ouais, voilà. Ouais. L'étage ou le rez-de-chaussée? Les deux, voir. Ah, mais qu'il est pénible! En plein pendant que je suis en train de me friter la tronche. Ben voilà. Putain, ils ont rien, c'est des pauvres. Ouais. C'est des zombies pauvres. Non, je suis là. Il est descendu. Je suis passé en dessous de la porte là. On va voir ce qu'il y a par ici là. Je vois rien pour le moment. Il y a un mec là-bas au fond. Il y a un passage ici pour sortir sur le dans les combles, je crois. Ouais, ok, ouais. Sur le toit, ouais. Bah c'est de la convenée en fait. Ouais. Qui c'est qui fait ce boucan là? On s'entend plus parler. Bah c'est le frère qui se transforme là. Oh pardon, désolé mec, c'est pas ce que je voulais faire. Merde. Ah. Sauve-toi. Ok. Très bien. Bien. Alors, suivant. Oh il en fout du bordel. Vas-y, on va retourner au bazar là, pour voir un peu. Pour voir un peu ce qu'elle a à nous dire, la Sophie, là. Mais je suis sûr qu'elle nous ment. Je leur fais pas confiance à ces deux là. Ils sont fourbes. Ouais, ne me dis rien, ne me dis rien. C'est bien. Alors, c'est ton histoire. Moi, je suis là juste de passage. En tant qu'accompagnateur. Voilà. Le fossoyeur. Tiens, il y a des mecs là, j'ai envie d'aller leur péter la tronche. Hop là. Putain. Hop. Tout ça pour un paquet de clopes. Génial. Il y a toujours la boutique là. C'est celle-là? Elle est chaude. Ouais, okay. Il y en a une là-dedans, elle est chaude aussi celle-là. Oh, pas mal ça. Oups. Alors. Hop là. Nous voici, bazar. Et qu'il est pénible de se mettre devant la caméra, sérieux. Mais qu'il est pénible. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller farfouiller là-bas? Il n'y a rien du tout. Oh, heureusement qu'on veut le vivre. Allez, va-t'en là. Je te jure. Alors. Tiens, bah, je vais en profiter vite fait pour passer avec mon pote préféré. Aussi pour vendre. Hop. Je vends. Pas mal cet arc. Je vais lui acheter. Et du coup, qu'est-ce que je vais te vendre? On va commencer par les armes. Pff, en fait, ça va mes armes là, je pense. Ouais. Ah, par contre, là. J'ai récupéré des tonnes de fringues. Mmh. Ouh, ça c'est mieux. Vas-y, je vais prendre ça. J'enlève mon pantalon. Ah, du coup, ça l'a mis direct. Ok, bah, c'est bien. Ça, c'est bien fait. Pas besoin de changer. La casquette, par contre, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être mettre celle-là, elle a l'air pas mal. Alors, hop. Voilà. Ok. Alors. vais faire quelques... Je vais fabriquer quelques trucs là. Des cocktails Molotov. Booster d'immunité aussi. Et le reste, j'en ai pas besoin. Ok. Bon bah tu me dis, Jean-Marc, je suis devant la porte. Tu me dis dès que t'es prêt. T'as vu d'autres nouvelles, Nurnen, d'ici là ou pas? Depuis la dernière fois ou pas? Je vais regarder un peu. Mais en plus, il n'y a rien. Il n'y a même pas de nouvelles sur la... Sur l'éventuelle mise à jour ou quoi que ce soit, quoi. Il n'y a rien. Ils n'ont rien annoncé en fait encore. Je pense. Non, tu vois, ils viennent d'annoncer un patch pour Grand Theft Auto The Trilogy. Mais... Ça, c'est clair. Non, je vois rien pour le moment. Enfin, ok. Allez, c'est parti. Au-dessus, là. Il faut monter, tu sais... Ok, d'accord. Ouais. À l'intérieur. Au-dessus. Okay. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter comme bobard, celle-là ? Tu vois, c'est une saleté. Je le sentais. Elle essaye de trahir son... Et moi, j'ai pas mon mot à dire là-dedans. Je peux pas aider Karl. Moi, j'ai rien envie d'affaiblir du tout, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? On va couper leur source principale d'électricité. Sans l'enlever, Aitor ne peut pas défendre sa base. Ils seront chassés des tuiles du trou et coupés de l'armurerie. Comment tout ça me permet de rejoindre la boucle centrale? Une fois Aitor affaibli, il battra en retraite pour atteindre les renforts. Ensuite, tu pourras rejoindre la boucle centrale. Mais d'abord, il faut faire sauter le moulin à vent. Et rapidement. On puisse déjà... Rien que comment elle me parle, moi je vais pas coopérer avec ça, moi, c'est pas possible. Bah. Une psychopathe. Ils t'expliqueront le plan. Communauté et liberté. Ensemble. Ouais, communauté et gros mitonné, ouais. Je sais pas si je peux me retourner contre elle, mais je suis pas du tout d'accord avec ses manœuvres. Là, on n'a pas encore de suite à la quête, mais en tout cas, j'ai une activité de nuit ici là qui se propose, donc on va essayer de la faire. Ah si, ça y est. Parler à Alberto. Ouais. Allez, on va parler à Alberto là. D'accord. C'est le mafieux. Ah non. Il donne des bombes alors. Hé, Alberto, ta nouvelle protection vaut pas grand chose. Elle serait plus utile à une coccinelle. mais c'est vachement trop fin. Malotru. Ces coquilles sont excellentes. C'est le top du top. Une armure fabriquée avec les meilleurs matériaux. À partir de... Oh oh, j'ai l'impression qu'il est en train de le gonfler. Regarde là. Il va pas tarder à péter un câble. Du titane. On a renforcé l'armure à l'aide de titane qu'on a récupéré à la casse. Elles sont plus légères. Ils ont trouvé du titane à la casse. Ouais, c'est clair, franchement. Ah ouais. Ah mais les gars, moi ça me va pas du tout ça, j'ai pas envie de coopérer avec eux. Merci Vincenzo. J'ai pas besoin de gilet en titane moi. Je suis pas là pour ça. Sophie m'envoie. Tu dois me parler d'un plan. Mon plan. Karl est d'accord. Karl est d'accord. Tu m'entends? C'est ça, dis le plus fort, mec. Le grand moulin à vent qui fournit l'énergie du QG des pacificateurs. Mais d'abord, on a besoin des charges que Jack et Joe ont laissées au château d'eau. Hein? Tu veux nous les apporter, pèlerin? Quand ce sera fait, toutes les lampes à UV du QG des pacificateurs s'éteindront. Ça va permettre aux infectés de les attaquer. Bon, j'espère qu'on va pouvoir mettre un terme à toute cette folie avant qu'il ne soit trop tard et que ce sera pas scripté à ce point-là. Ah, c'est génial, j'adore ce plan. C'est la seule option. Ok, donc le moulin à vent alimente toutes les lampes UV des pacificateurs. Oui, c'est bien ça. Ça va faire un paquet de victimes. Seulement si les pacificateurs ne décident pas de retourner chez eux. Ils nous ont volé ce moulin à vent. Il était à nous. Le cas, ils ont... Bordel. Ils l'ont pris. Exactement. Ils l'ont pris. Sans électricité, Aitor ne peut garder personne ici. On a des générateurs, de plus petites sources d'énergie. Eux, ils ont besoin d'une source d'alimentation plus importante. Ils devront se retirer. Et avant qu'ils ne reviennent avec des renforts de la boucle centrale, on bloquera le tunnel nous-mêmes. Leur commandant, Jack Matt. Il va pas risquer de se battre dans le noir avec les infectés et les renégats dans son dos. Le vieux Vildor sera à nouveau à nous. Et tu pourras... Je peux rien faire d'autre. Donc, écoute, ça c'est dommage hein, quand même. Parce que genre, ils te disent pas, ils te font pas entrevoir tout ça quand tu commences à prendre parti au début. Tu vois? Parce que moi je voulais pas me mouiller, moi je voulais rester un peu neutre ou voir à choisir plutôt être du côté des pacificateurs. J'ai pas envie d'aider ces bandes de dégénérés là. Ah mon dieu, bon écoutez, tant pis. Ouais, non mais attends, on les a récupérés les charges. Bon alors, allez vas-y, qu'on en finisse, bonne fois pour toutes avec toutes ces conneries. Oups, raté. Ouais, tu veux monter? Bah, pourquoi il m'a pas laissé monter, moi? Bah, je suis pas assez fort. Je suis. Non, t'as pas la technique. Bah, pourtant, si normalement, mais bon. Voilà. Enfin, pourtant, je peux courir sur les murs, normalement. Oui, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Ouais, ouais, Sophie, c'est une grosse traître. Moi, je lui fais pas confiance. Ah, quoi? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit changement d'alignement. J'ai eu un message, mais j'ai pas eu le temps de lire ce qu'ils me disaient exactement. Ils me parlaient de changement d'alignement, je sais pas quoi. C'est passé quoi ici? Ah, il y a des morts. Ah, il y a eu des empoisonnements. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe ici? Les pacificateurs, ils nous ont fouillés, ils cherchaient des armes. Ils ont pété un câble quand ils ont trouvé nos cocktails Molotov. Ils ont massacré tout ce qui bougeait. On dirait qu'on nous a tendu un piège. Qui? Et où sont les bombes pour Alberto? On a réussi à en envoyer. Les coursiers ont fait leur dernier rapport près de Star Square. Puis silence. Alberto, les charges ont disparu. Je vais à Starry Square, c'est là qu'elles ont été signalées pour la dernière fois. Ça commence à me plaire tout ça. Aiden. Ouais. Sois prudent. Trahi. Nous avons dû trouver les charges. Sans elle, le plan ne peut pas marcher. Je vais faire ce que je peux. Trouve. Les charges. On dirait un site, notre site. Bon, alors quoi, il faut aller ici là? D'accord, il faut débarrasser la place désinfectée. Oh, regarde, il fait la capoeira lui. J'ai vu, il y avait un truc derrière. Ah non, ça va. Ouais. Les pacificateurs ont attaqué ton convoi. Ils ont retourné, ils ont fini par trouver les bombes. Quelqu'un les a rencardés. Ils ont tout pris. Je sais pas. Un truc a dû les faire fuir. Quoi? Où sont les charges? Elles étaient là. Allez, ils ont peut-être pas tout emporté. Heureusement que les infectés ont appliqué. Tout le monde s'est tiré. Les bombes sont sûrement là. Il va se faire exploser. Ils ont pas cliqué. Elles étaient juste sur le... Voilà. De toute façon, il était en train de nous mentir. Je le sens gros comme une maison que le mec il est en train de nous raconter des cracks. Allez. Mais c'est... D'accord, ok. T'as tué le gros, hein, déjà? Hop. Bon, fouille. Je pense qu'en fouillant, il doit aller... Ouais, c'est clair. Je les entends déjà. Ah. Déjà une charge. Oh, putain. Encore? Mais c'est pas possible, cette histoire. T'as trouvé la charge, ouais. Alors... Ah, ah ouais, non, mais d'accord, il y a des gros, il y en a plein, là, en fait. Ça va, j'étais loin là quand même. Hop là, génial. Bien. Allez, bon, allez, fermé. Allez, hop. Un manche de guitare. C'est pas mal ça, en tant qu'arme. J'y aurais pas pensé. Et j'ai trouvé la dernière bombe, je pense, Jean-Marc, c'était la dernière. Ok. Si tu tires là-dessus, là. Ouais, je me doutais, ouais, je me doutais. Alors, du coup, il faut revenir là-bas, c'est ça? Allez, bah écoute, on va revenir. Hein. Ouais. Les ruches, on s'en fout. Ouais. On n'a plus urgent là, à l'heure actuelle. Ouh, un cristal jaune. C'est bien ça? Cool. Ah, ça te fait de la tupe. Allez, c'est bon ça. Oh putain, merde. Ça c'est clair les gars. C'est pour ça que moi je peux pas m'allier avec des gens comme ça. Pas possible. T'es quasiment l'un des nôtres. Tu sais jamais comme il place la nuance à chaque fois, tu vois. T'es comme l'un des nôtres, mais t'es quand même pas totalement l'un des nôtres, tu vois. Ouais, voilà. C'est comme. Voilà. Comme. C'est ça, c'est comme. Comme. Putain, je vais voir ça. Mais écoute ça. Allez, je te prends tout. Et en termes de vente, je vends. Alors, le cristal qu'on a trouvé, il vaut 400. Ouais. Ah oui. Et on a trouvé un whisky. Yes. Whisky ancien comme dans Red Dead. C'est ça. Bon bah tiens, voilà. On va attendre, on va lui parler à lui là, on va voir ce qu'il a à nous raconter là. Son père il est pas là. Son père est pas là. Attends, je te l'achète. Tiens, je... Allez hop. Ah, échanger? Ah oui, on peut échanger. Du C4. Ouais. Les pacificateurs ont pris le reste. On a besoin de... Tu dois... J'en ai plein les poils. Jean-Marc, il en a plein. Vous acceptez Jean-Marc ou pas? Tu peux accoucher là. Ouais, je le connais, Kylian. Quoi, le pote d'Acon ? Oui, Kylian. Je vais t'expliquer comment. Je connais le chemin, merci. Bien. Tu as dit que tu savais. Oui, 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 oui. Oh là là, mon Dieu. Ah, je peux pas les piffrer, ces gens du bazar, sérieux. Plus ça va et plus il me saoule. Alors on y va, en plus c'est la nuit, c'est génial, tout va bien. Alors, on ira visiter un magasin comme ça. Et là j'ai une quête ici là ou quoi? Pourquoi il m'indiquait qu'il y avait une quête ici? C'est dans le bazar en fait qu'il y a une quête. Ouais. À 25 mètres. C'est une quête de nuit en plus. Pourquoi il n'y a personne de nuit là? Pourquoi il n'y a pas un seul zombie là? C'est vraiment bizarre cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont derrière là? Oh putain! Voilà. Ouais, dégage. Bon alors, Econ, pote de Econ. On peut essayer combien de fois d'ouvrir? Parce que tu vois bien que c'est fermé, quoi. On va faire le tour. Je fais le tour. Toc, toc, toc. C'est pas le gros là. Puis pourquoi? T'as vu, il l'a appelé Kylian et tout à l'heure il l'a appelé Kylian. Kylian, faudrait savoir un peu quand même. Hop. Tiens, moi je suis en train de crocheter la porte. Hop! Il n'y a pas de porte. Il est pas là, il s'est barré! Il s'est barré! Enfoiré. Alors on va essayer de chercher des petits indices. Ici on va lui fouiller les placards. Ah, j'ai quitté trop tôt. Trouver des charges dans ton placard. Oh putain! Oh là là! Oh le salaud! De l'engrais. Voilà, Con. De l'engrais. À l'époque, tout le monde a dû se dire qu'on serait potes pour la vie. J'ai rien compris. Voilà, Hakon. Vincenzo, je t'entends à peine. Les pacificateurs, ils ont débarqué chez moi. Pas trop parler. Le traître, il nous a vendus. Aiden, papa est parti au moulin avant. Retrouve-le là-bas. Je vous rejoins quand je peux. C'était Hakon le traître? Ok, je suis pas de mon mieux. Mais traîne pas. Forcément, on n'entend plus parler de lui. Forcément que c'est lui le traître. Bah ouais. Et là, il y avait une photo à l'intérieur. J'ai coincé Aiden. Encore une patrouille. Faudra se débrouiller sans moi. Rejoins mon père. Je serai en permanence sur la radio. Moi et ton père, tu crois que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix. Ouais, on s'en fout. On trace. Ça pousse tout le temps. Oh putain. Il est un peu étrange. Oh putain. Ah putain. Allez, monte. Ouais, je suis tombé, putain. Mais qu'est-ce que... Bon. Oh merde. Ce sera le héros du bazar. Il a toujours rêvé de faire un truc énorme. C'est justement ce qui me fait peur. On reste en contact radio. Hey. Vincenzo, t'es là? C'est bon, là, je suis arrivé, là. Il n'y a plus de trucs, là. Ils font me délirer, les zombies. Allez, petit zombie, viens, là. Ah, ah, et alors? Et ah, bah alors? Et alors? Voilà. Ah, bah, voilà. Allez, rentre chez vous maintenant. Là, tu t'insistes, toi. Oh non, tu es tombé. C'est bon, c'est bon. Tiens, voyons voir un peu mes points de compétence. Est-ce que j'en ai? Ouais, j'ai un point de parcours à déverrouiller. Oh là là, c'est beau ça. Compétence tic-tac. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Et le glisser là, ça j'aime bien ça, le glisser c'est sympa, c'est stylé. Ok, alors, on va pouvoir continuer notre périple jusque là-bas. Ouais. Putain de radio, c'est ça. C'est la radio, on l'a pas fait réparer. Ah, pété. Alors où est-ce qu'il faut aller du coup? Bah... Oh putain! Oh bordel! On les re... T'es où? T'es tombé? Ok, je suis en train de monter là, là où il faut aller. Ah, j'ai un conteneur. Ouais, ouais, pareil que moi. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, Jean-Marc, il est à l'intérieur, il est là où on doit rentrer. J'arrive. Ouais. C'est quoi cette connerie? Alors je vais gérer ça tout seul. Abracadabra, je t'ai fait une bombe. BAM! Il m'a tout expliqué. Détends-toi. On va y aller. Ouais. Il y a aucune. Allez, 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 allez. BAM! Ça y est, c'est bon. Voilà. MacGyver. C'est clair. Bon. Ben oui, je veux récupérer le truc là. Non, on ne sort pas comme ça, Eden. Eh oh, on se précipite pas. Voilà. Tout le temps. Ouh, 3. Allez, oh putain, c'est beau. Ouais. Ça fait mal, ça. Alors, 3, ça veut dire 3, ça veut dire... bah écoute, je vais continuer sur la santé. Hein. Sur l'endurance. Je passe à 9 en endurance. Moi, je suis à 9. 9. Je passe à 4. 4. En santé, toi. Très bien. C'est parfait, on va aller poser les bombes. Donc c'est là en face, là, c'est là qu'il faut aller, ça a l'air d'être bien gardé quand même. Attends. Ah mais en plus il y a plein de monde. Non mais c'est quoi ce truc, il va falloir y aller en furtif là, non? Ah je vois qu'il y a un passage ici sous le... Ok, bon. Eh ben, dis donc. On peut. C'est possible de nager dans ce jeu? Ouais, c'est possible. Ouais. Quoi? Si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors. On va aller les piller un peu, hein. Profiter pour ça quand même. Ouais. Encore l'engrais, c'est tout. Ah, la gueule. Il y a une trappe. Ouais. Et du monde. Il y a un mec. Ok, un, et il y en a un autre ici à gauche qui fait des rondes. Bon, allez. Oh putain, il va me voir. Non, c'est bon, il m'a pas vu l'autre. Hop là, nettoyer. Alors, il faut continuer notre progression verticale. Par où là? Ouais. Ok. Donc il y en a une ici. Je vais la mettre, je vais la poser là maintenant là. Hop. Ça y est, la première charge est posée. Il faut, on va continuer. Hein. Ah, d'accord. Raté. Oh putain. Je suis tombé dans la flotte. Ah putain, je suis tombé tout en bas. Oh bordel de merde. Ok, moi je suis à 115 mètres. Je reviens. Oh putain, merde. Comment ça, il y a un mec là? Oh putain, je vais me faire repérer. Je vais me faire repérer. Ah, je me suis fait repérer. Deuxième charge. Ok. On a eu de la chance qu'il appelle pas ses potes. Attends, alors du coup, par où t'es passé? À la corde. Là, ici. Tu sautes. Pour la poutre. J'arrive pas à la voir. La poutre. Ah ben. Attends, mais en fait, alors je peux là, sauter par ici, je suis trop con. Ça y est, c'est bon, regarde. Par ici, là. Ouais. Là. Il y a des trucs à récupérer là-dedans, ouais. Fouille. Elle est bien vide leur planque quand même. Ouais, pour un truc important. Bah ouais. On serait attendu à ce qu'il y ait quand même un petit peu plus de... Ouais, un peu plus de personnel quoi, qui monte la garde. H de bourreau. Oh, ils sont blindés. Ok, bon, voilà, on est bien là, c'est parfait. Alors, la suite des opérations. Voilà. Est-ce qu'il faut aller la poser la dernière? Ah ouais. Je te laisse faire, elle est là derrière toi. Attends, attends, attends. Ah. Il y a un coffre en bas là. Expliquez la situation à Alberto. De toute façon, on va se rebarrer par là où on est arrivé. Où est-ce qu'il y a la flotte là? Elle est là-bas la flotte. Bah tiens, on va sauter dans la flotte. Putain. Wouah, YOLO. C'est bon. Bon, Alberto, il dort le mec. Non mais je te jure, il nous envoie faire foutre des charges et lui il s'endort. Tout va bien. Ah bah oui, il ronfle en plus. Il ronfle comme un gros cochon. Les explosifs sont posés. Et là, il va appuyer sur le bouton. C'est ça. Et voilà. Non, non, si tu le faisais toi. Bip. Fantastique. Le détonateur est bloqué. Oh, bizarre. Ça va pas s'effondrer avec ça? Donc ça va foutre. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ce mec là? Mais c'est pas possible. Mais arrêtez-le ce vieux fou là, c'est pas possible ça. Bon. Moi, personnellement, je tue moins de monde quand même. C'est vrai. On va faire tout péter. Oh, mais c'est pas vrai ça. Ah. Oh là 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 là. Mais putain. Hein? Alors, bordel, je la lance dans la rivière. Comment tu parles? Tu es tendu? Non. Ah bon? En plein milieu du moulin à vent? Je suis capable. Ah mais qui? Ah mais non, mais il me saoule. Merci. Évidemment. Et t'as 30 secondes pour le faire. Tu crois vraiment qu'on a le temps de jouer à ça? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait en choisissant ces imbéciles? 2 minutes 25. Tac. Ok, maintenant. Bon, écoute, on va espérer que c'est par là qu'il faut aller. C'est par où qu'il faut aller là? Non, c'est pas par là. Ah, il faut escalader. Non! Oh, mais que c'est pénible. Ça me fatigue. Allez, remonte à la surface, là. Bon, je sais pas, je suis perdu. Je sais même pas où je suis. Il veut pas remonter à la surface, c'est magnifique. Bah, n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Bah vas-y, bah, fais tout péter de toute façon, histoire qu'on recommence la mission là. Ah là, mais je peux pas sauter n'importe où là. Moi j'ai pas vu où est-ce qu'il fallait aller, hein. Franchement. J'ai essayé de sauter par là, mais donc je sais pas. Il faut s'accrocher à la roue ou quoi? Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais ça m'a pas laissé. Allez, grimpe. Ça va exploser. C'est trop... C'est dommage ça. Et on saute. J'ai pas réussi, hein. Normalement ça devait... Hop là. Et là, il va y avoir du monde. Ah oui. Je pense. Vu qu'il n'y a plus de protection. C'est clair. Et lui, il est déjà parti. Hein. Et ça fait boum. Bon, il va mourir, lui. Voilà ce que j'appelle une belle explosion. Un joli boum. J'ai eu mon boum. Dis-leur en ami. C'est clair. Enfin, surtout plus moi que toi quand même, mais bon. Oups. Ça c'est bien pour remonter le moral aux gens, ça. C'est le personnage le plus pourri de tout le jeu vidéo. Et je suis pas du tout ému par ce qui est en train de se passer. C'est bien, t'as pété la seule source d'électricité de la ville, magnifique. C'est clair. Je te jure. Ils s'entretuent les mecs. Allez, pourquoi il faut que ça prenne autant de temps là, sérieux? Oh, on s'en sortira jamais à cette vitesse là, les gens, je vous le dis. Oui, je te promets. D'accord. C'est bon. Et dis-lui que... C'est bon, je lui dirai. Dis-lui que... Ok, je lui dirai. Je ne lui ai jamais dit. Bah, bravo. Mon fils, je suis fier de toi. Je lui dirai. Bon, ça y est, c'est bon. On peut arrêter la séance larmoyante. On peut passer à autre chose. Non, non, faut traverser la ville sans... En lumière bleue, c'est ça? Magnifique, bravo. Pourquoi il y en a encore ici? Ouais, c'est la question. La question qui tue. Pourquoi il y a du coup? Pourquoi il y avait un mec qui parlait là? Ah ouais? Ok, bagarre. Oh, mais sérieux! Tu veux finir le job ou jouer les bergers à répandre la bonne parole? J'ai une mauvaise nouvelle, Hakon. Alberto est mort. Je vois. Mais le métro est vide. On n'aura peut-être plus jamais une occasion comme celle-là. Non, 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 je vais aller au métro, je m'en fous, je vais pas passer le message. Je vais au centre. Le salaud! Le salaud! Oh putain. En même temps, je les aime pas depuis le début. Le jeu me force à coopérer avec eux. C'était pas du tout ce qui était prévu. Donc moi, désolé, je vais pas, voilà, je vais pas faire le sentimental là maintenant. Hein. Business is business. Donc bref, voilà. Bon bah écoute, Jean-Marc, on va s'arrêter là, je pense. Ça va être pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On a suffisamment foutu de bordel comme ça aujourd'hui, pour aujourd'hui. Donc voilà. Tiens, je vais quand même me mettre à l'intérieur histoire d'être à la lueur violette pour la prochaine fois quand on relancera le jeu. Et voilà quoi. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu tout le monde. La Nurnen, je sais pas si t'es toujours là ou pas. J'ai toujours rien vu sur Red Dead Online, donc je pense que c'était une fausse alerte, probablement un problème limité, un bug ou un truc comme ça. Mais bon, voilà, on verra ça quand même. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et puis on se retrouve plus tard pour la suite. Qui c'est qui parle là? T'entends qu'il y a un mec qui parle là? Qui a dit qu'il avait une crampe? Ouais, ouais. Nulle part. Bref, voilà. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao, bon après-midi.